Balaye la pièce et il a un petit sourire. Il a même pas. La dispute, elle est même. Il n'y a même pas eu une dispute entre les deux groupes. D'ailleurs, il n'y en a jamais une. Elle était plus entre les groupes. Au moins, vous ne nous êtes pas entretués, bravo. J'avais dû faire une voix, vous savez, comme ça. Il m'insupporte. Personne n'est réagi, même pas Juna qui tient parole. C'est bien Juna! Je vois Colin lui adresser un signe quasi imperceptible de tête. Juna lui répond de la même façon. Eh bien, vous pouvez vous préparer maintenant. Vous êtes les prochains à passer. Il est l'heure de mettre votre maillot. Alors, est-ce qu'ils ont des slips? J'espère que vous vous réjouissez autant que moi des petits jeux à venir. Peut-on savoir de quoi il s'agira, monsieur Yom? Le par des ondes puis voir votre leader de Tennis sur Dune. Kyuwan a parlé d'un ton extrêmement poli en usant du niveau le plus formel de la langue coréenne. Dungeon sourit légèrement. Bien sûr que non! Voilà. Ça met plus de piment si c'est une surprise, vous ne trouvez pas? La seule chose que je peux vous dévoiler, c'est que ces jeux seront variés. Et ils se passeront dans l'eau, vous l'aurez compris au maillot. Ils se passeront dans l'eau, vous l'aurez compris au maillot. Il paraît que plusieurs d'entre vous auraient pu prétendre à une université Sky. Vous êtes sans doute capable d'additionner deux et deux. Ce ton grinçant, chargé à ras-bord de mépris et d'orgueil, me rappelle les tympans. C'est un concept dont j'ai eu l'idée pour changer un peu et apporter de la nouveauté aux fans. Je m'attends à être copié par les concurrents, mais en attendant, je serai le premier. Comme d'habitude, vous me direz. La suffisance du présent. Ah, je viens de comprendre. J'avais pas compris sa phrase. La suffisance du présentateur fait comme une aura autour de lui lorsqu'il se rengorge. Oh, comme j'ai envie de lui faire avaler son orgueil. En lui bourrant dans la gorge jusqu'à l'estomac et de pousser du poing vigoureux. Claire a chuté entre ses dents dans mon oreille en français. Je vois que nos pensées à l'égard de Yum se rejoignent. Mais avant que je n'aie le temps de lui reprendre quoi que ce soit, Dungeon Yum s'est tourné vers Juna. Ferme ta gueule. Ah. La piscine est sûrement une bonne nouvelle pour vous, n'est-ce pas? Le même vocaliste de Serster avec un souci. Ah ouais? Pourquoi ça? Le présentateur plisse le front. J'ai l'impression qu'il est mécontent. Sans doute parce que Juna ne lui parle pas de la déférence due. Pourtant, son sourire s'étend encore dans l'une de ses joues. Oh, mais tellement pas. Je pense qu'il a pas du tout envie de s'abaisser à ça. Hein. Juna a de la dignité envers toi. Eh bien, à côté de votre rival terrorisé par l'eau, vous n'aurez aucun mal à briller. Putain. Bah, il peut l'attendre longtemps. Les léopards attendent-ils l'explosion? Je vois son expression que mon cousin la redoute. Je serre fermement la main autour du poignet de Claire. Je ne me sens pas sereine non plus, la provocation pure de la part de Yom. Juna ne scie cependant pas, alors qu'il observe le présentateur pendant plusieurs secondes. Enfin, sa réponse vient, d'un ton contenu. J'espère au contraire qu'il sera en pleine forme. Je peux faire briller plus qu'une lumière vive que briller plus qu'une lumière éteinte. Ça me donne l'impression d'avoir plus de mérite. Et de la dignité, surtout. Juna n'a pas parlé d'un ton agressif. Ça, on aime. Malgré tout, je vois la main.
char de Dungeon se serrer. Et bim! Vous ferez sans doute moi le malin tout à l'heure. Je ne voulais pas faire le malin, pardonnez-moi. Ah, Juna! Ah, Juna! Comme quoi? Un petit pincement de fesses, ça suffisait. Le jeune vocaliste n'a pas baissé les yeux ni adopté un ton contrit. Malgré tout, il lui paraît difficile au présentateur de poursuivre dans l'agression alors que la réponse est si calme. Je vous vois dans la piscine tout à l'heure, tous. Et sans t-shirt, cela va de soi. J'avoue que moi... Ça me dérange pas. Ah, bah oui. Super! Bah ça me choque pas du coup. À cela, je vois tant Colin que Woojae déglutir. Dungum... Connard. N'en a cure. Ni d'aucune autre réaction à ce qu'il vient d'annoncer. Impérial, il fait seulement volte-face et marche hors vers du vestiaire. Autour de moi, les contre-coups sont divers. Ma cousine déverse des imprécations bien senties entre ses dents. Colin paraît divisé entre soulagement, l'irritation et le découragement. Juna, de son côté, laisse échapper une insulte avant d'aller quérir son sac pour se changer. Non, je veux dire Claire, s'il te plaît, fais comme Juna. Quand Yom parlait, tu étais entre en mode cocotte minute qui risque d'exploser. Mais à mon avis, il va être comme ça jusqu'à la fin de l'enregistrement. Si Juna se contient, essaie peut-être de faire pareil. Déjà, t'es un peu distrait, ma cousine replace son serre-tête de ses cheveux blonds. Oui. Bien sûr, tu as raison, ma petite Juna. Je ferai de mon mieux. N'hésite pas à me donner un bon coup de coude dans les côtes ou à m'enfoncer ton talon dans le pied si je dérape. Est-ce que je peux aussi te pincer la fesse? Parce que ça a l'air efficace, hein. Nouvelle arme. J'en aurais peut-être besoin. Arrête, je t'avoue que là, le léopard empaillé est le cadet de mes soucis. Je vous avoue que j'ai envie de finir l'épisode. Je suis sans peine son regard et le trajet conjoint de son esprit et de son cœur. Colin soulève son sac de sport d'un geste morne. Son visage est altéré par le stress. Même si j'en sais plus qu'elle, je me retrouve néanmoins dans la même situation que ma cousine. Face à un mur blindé d'explosifs que la moindre pression trop forte de la main peut faire détonner. Madame Urban s'approche de Claire et moi. Les filles, peut-on vous demander de sortir du vestiaire le temps que les garçons se changent? Bien sûr. Vous savez que je ne veux pas vous sasser. Je sais pas lire. Mais je pense que ça prendra un problème à peu près tout le monde si vous restez là. Les rumeurs, Somin Kim, certains garçons eux-mêmes peuvent être mal à l'aise. Ah oh, oui, bien sûr. On va les stalker par la fenêtre. Oh, je rigole. Le sourire bienveillant de Manager Ban nous accompagne sur le chemin pour traverser la grande salle. Se laisser passer nous empêche de nous faire fusiller sur place par Manager Kim. Oupsie! Pour quitter le vestiaire, nous devons en effet passer par la zone tenue. Debout, les bras croisés, le manager de Tenue First Zone nous suit de son regard glacé. Bah, pleure! Consumé par l'aversion. La porte du vestiaire close derrière nous, ma cousine n'hésite pas à laisser éclater son incompréhension. Je me demande quel est son problème. On ne fait rien de mal quand même. C'est désagréable de se faire haïr juste parce qu'on existe. Je ne sais pas quel est son problème. Et à vrai dire, je m'en fiche. Heureusement, on ne le voit pas souvent et son champ d'action à notre égard est limité. Imagine si Sir Star avait hérité d'un manager pareil au lieu du merveilleux manager Ban. Ça aurait rendu tout moment passé avec le groupe absolument impossible. J'espère qu'aucun membre de Zone First Zone n'a de cousine ou de sœur qui a envie de les voir. Sinon, je les plains tous, déjà que je plains les membres tout court. Elle joint ses mains l'une contre l'autre comme pour prier. Rendons grâce pour l'existence de manager Ban. Un sourire retrousse le coin de mes lèvres. Tu n'es même pas croyante. Il ne faut pas demander à quel point je suis reconnaissante. Je rends grâce à l'univers ou n'importe quoi qu'il
mis sur la route de Sir Star. Pas besoin de Dieu pour louer la présence du magnifique John Young. Ouh, ça utilise le prénom. Je manque de faire une attaque quand je vois la porte s'ouvrir derrière nous sur le visage de manager Kim. Heureusement, nous discutions en français. Je me souviens tout à coup que Manager Ban parle néerlandais de ses études aux Pays-Bas. Moi, je le sais à cause d'Idle Pride, que j'ai pas encore fait, mais j'ai vu sur une Manager Ban et un peu sur de Sora. J'avoue. Il ne reste plus qu'à espérer que Manager Kim n'ait pas lui aussi fait un master ailleurs dans un pays francophone. Imaginez, ça fait. Je vous comprends totalement. Comme un être de glace, et comme si nous n'étions pas là, le manager de Tenture Zone passe à côté de nous sans nous jeter un regard. Je me demande si, en les ignorant, il arrive à se persuader que les gêneurs n'ont aucune existence. Sa chemise bleue ne tarde pas à disparaître derrière le coude du couloir. C'est peut-être le bon moment pour tenter une rentrée au stomac. Mais tu sais même pas. Ah, ok. Aussitôt, ma comparse déverrouille son téléphone pour envoyer un message à son frère. Histoire de ne pas jaillir alors qu'ils sont encore le kiki à l'air. Je m'attendais tellement mal à ce qu'elle dit ça. En plus, je dis aussi le kiki. Putain, on fait chier. En plus, c'est même pas du tout ce qu'ils ont dit, mais. Ce qu'elle a dit, mais c'est pas. Ça te gênerait, toi qui n'es jamais gêné de rien? Je ne pense pas, non. Ah bon? Je m'en fiche un peu de cette partie de leur anatomie. C'est plutôt pour eux que je disais ça. La réponse du colonel ne tarde pas. Feu vert, tous les engins sont en arrière. Tous les engins sont dans les maillots. Mais tellement, c'est tellement drôle. Pourquoi tu rigoles pas? Je lève les yeux au ciel au mot empolé par ma cousine qui en rit en poussant la porte. Juste à temps. T'inquiète, on a le sens du timing totalement. Ça m'aurait fait bizarre d'être regardée par une fille. C'est sur le main dancer de Tour June que nous tombons en premier. Au fond de la salle, je vois Manager Ban et les autres membres de Sercer, lesquels sont en maillot, s'approcher. Sunshine. Quoi? Elle sait déjà. Ah bon? Et puis, même si je n'étais pas comme ça, ça me ferait bizarre de tout nu devant les... Zéro expérience de nudité familiale, amicale ou amoureuse avec elle. Enfin, j'ai une mère, des grands-mères, ça aurait été franchement gênant. Ce qui nous regarde d'un air curieux. Mais c'est quoi cette conversation? Je vais pleurer. En plus, il a un mode bon orange. J'en prends avec l'orange, ça y est. Vous avez déjà vu vos frères, père, grand-père? Ça se fait en France? Oui, quand j'étais petite, voilà. Mon frère et moi n'avons qu'un an. Il est arrivé plusieurs fois qu'on change dans la même pièce quand on était petit ou dans la salle de bain. Ou qu'on aille dans la piscine sans maillot à l'époque de la maternelle. Mais ça n'est jamais arrivé depuis qu'on est grand. Et par là, j'entends 9-10 ans. Pour mon père et mes grands-pères, non, jamais par contre. Je n'en suis pas triste. Je comprends. Je ne voudrais surtout pas voir mes grands-mères sans vêtements. Stop! Mes grands-pères et mon père, j'ai souvent vu tout nu par contre au Jishufu. Non, ça recommence. Je sais pas le dire. Ça me paraît normal. Il souffle sa frange et penche un peu la tête pour regarder clair. Et toi, tu as déjà vu Colin tout nu? Tais-toi, tu vas rien dire du tout. Mon cousin qui nous a rejoint avec le reste du groupe à côté de First
Du côté de Tony First, pardon, tend une main presque accusatrice vers sa sœur. Il a l'air embarrassé par avance par ce qu'éclaire pour révéler. Elle va dire... Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai de la chance. Yumi... Ne t'en fais pas, Yuyu. Je ne dévoilerai rien dont tu pourrais rougir. Colin n'a pas l'air convaincu tandis que Claire s'adresse à Sungi avec un grand sourire. Eh bien oui, quand il était petit. Autour de la plage ou de la piscine, par exemple, quand nos parents nous enlevaient le sable ou le chlore. Mais même sur la torture des pinks, ça saigne. Des pires, ça saigne. Je ne dévoilerai rien. Je ne dévoilerai aucun détail. Alors il fait. Non, mais stop! Ça part trop loin là. Même si tu le dis pas, il va être extrêmement gêné. Aucune comète ne saura s'il aura donné une circoncis ou s'il n'a un testicule ou deux. Claire, stop. Mon cousin a plaqué ses masques sur son visage sous ses masques. J'ai plus aucun RP, mais c'est trop drôle. J'arrête pas à me c'est... Les couacs me feront toujours rire. Bonus débloqué avec la magnifique tête de Daniel. J'en ai deux évidemment. Et maintenant, stop, stop. Oh non. Je sais pas où j'ai eu. Bah, je sais pas pourquoi je vais sur Daniel. En fait, je suis habituée. Colin. Enfance 2. Je ne sais pas. C'est compliqué. Là, pour la prochaine fois, enfin, ça arrivera dans un moment, mais je mettrai tout à jour, du coup. Parce que comme ça, je saurai ce qui est nouveau. Bon, continue. Désolé. Je n'ai aucun mal à deviner qu'il est cramoisi sous ses paumes. Je lui tapote amicalement le bras pour le réconforter. C'est comment si j'en ai Mais vous en faites pas dans ça, après on va perdre Daniel là. Il va dire moi aussi. Après vous allez commencer à dire la taille, là ça va partir en steak. C'est cool, moi aussi j'en ai deux. Et je suis circoncis moi aussi. C'est Daniel qui va répondre ou un truc comme ça, c'est pas possible. C'est à nouveau Claire et moi. Comme le McNay de Center Zone s'adresse. J'en peux plus, c'est quoi cet épisode? J'aurais dû m'arrêter, c'est trop. Je ne sais pas si les circonstances aussi ou pas. Désolé, j'arrive plus là, c'est beaucoup trop drôle. Je suis une gamine, je rigole pour rien, mais je m'attendais pas du tout à que ça se passe comme ça. Juste pour une histoire de... Oui, j'ai pas envie de les voir, les kiki à l'air. C'était pas une bonne idée, hein. Colin, intérieurement, il se décompose, à mon avis. Je n'y connais rien, cet appareillage. Moi non plus, je regardais sur internet. Oui, on l'a perdu. Non. De façon surréaliste, la tête rose du visuel et la tête noire du danseur se penchent au-dessus du même écran de smartphone. Je suis Marie Chaussette. Cet épisode, j'en démarre. Je m'en rendrai plus jamais. Si Manager Kim revient dans la minute, il va être charmé. Tu m'étonnes. Et elle ne le dit pas à ton hacker, au contraire, celui-ci est plutôt amusé. Ah là, il y a de quoi rire. Ah oui, d'ailleurs, il est parti faire quoi?
accueillir ma mère et l'aider à se passer dans le public. Elle vient assister à l'enregistrement. Et comment dire? Il n'a pas vraiment le choix. Et elle nous fait un clin d'œil et je comprends pas tout à fait. Il s'étire ensuite levant au-dessus de la tête ses bras ornés de deux protège-poignets de sport noir. Je pense qu'il y en a pour un petit quart d'heure, donc on est encore tranquille un bout de temps. Ma cousine écoute d'une oreille les exclamations de ce qui est Tae Wong, suite à la retrouvaille se tourne vers moi. L'éducation homosexuelle en Corée du Sud ne fait peur, n'est-ce pas? Putain. Ils sont grave bien renseignés, quoi. Ce n'est pas beaucoup mieux chez nous. Oh, post-mytho. Heureusement qu'Internet existe. Il a pas tort. Ça facilite les choses pour notre génération. Mais ça devait être terrible pour les précédentes. Je suis d'accord. Ça ne chaîne toujours comme ça. Le sourcil orné d'un piercing de Kyung-Wan se hausse sa marque de fabrique. Comme ça. À parler librement de ce genre de sujet à n'importe qui de surcroît. Je ne pense pas qu'il vous considère que vous êtes n'importe qui. Vous voulez vraiment me faire chialer, quoi. C'est pas la première fois qu'il vous voit et vous faites partie des rares qui... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais oui, sinon, Paul retient un peu importe le sujet. C'est vers où j'allais cette fois que je me tourne. Le visage de Jennifer Jones me semble l'antithèse de ce qui... Et de Tae Mongo aussi, à vrai dire. Ce n'est jamais trop embarrassant. Ou James sourit. Si, ça ne cesse jamais de l'être. Oh, ou du moins pour moi. Ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas vu, ça fait bizarre. Mais malgré tout, on s'y fait. C'est un côté réconfortant parce que ça fait partie du quotidien. Et parce que Sunshine est de façon intégrale réconfortant. Oh, c'est cute. Alors que Woody parle, mon regard tombe sur l'intérieur de son bras, sur lequel un petit pansement est collé. J'hésite, mais j'ouvre quand même la bouche parce que je m'en voudrais si un problème que j'aurais pu éviter survenait. Je ne veux pas me lever de ce qui me regarde pas, mais si tu le laisses, les fans vont spéculer et s'inquiéter. Je sais, pour les avoir fréquentés, comment ça va dans les fandoms, comment le moindre détail peut être monté en épingle. Oh, je l'avais oublié. Tu as raison, je ne veux pas qu'elle s'inquiète pour moi. Du pouce et de l'index, Woojai décolle délicatement le sparadrap beige. Le pansement a laissé une trace autour d'un petit trou et entreprend de masser sa peau pâle pour la rendre invisible. Je m'en remets pas, hein. Je l'observe en un instant ce qu'il remarque. C'était mon injection hebdomadaire de glu. Je ne veux pas m'aventurer dans la prononciation de ce mot. Par intraveineuse, ça je sais. C'était rien de grave, ne t'inquiète pas pour moi. C'est mignon parce que j'avais pas demandé, il s'est quand même confié. La glu... J'aurais dit glutation. Je sais pas, parce qu'à cause du H, je bug. Qu'est-ce donc? Ça fait bizarre de voir Ginny, maintenant j'étais déjà habituée à Niel. Il m'en fout peu. Un antioxydant qu'on utilise pour blanchir la peau. La voix d'édition dans mon dos me prend par surprise. Dans la plupart des cliniques esthétiques, les docteurs proposent de l'injecter dans les veines. Ce n'est pas dangereux? Ce n'est pas bon. Ils disent que pour la peau aussi, parce que en plus de la blanchir, ça gomme les imperfections, taches et boutons. Ouais, j'ai déjà lu. Mais c'est un bien seulement esthétique. Pour la santé, ce n'est pas bon du tout. Ça peut causer des cancers de la peau, détruire les reins. Alors, Dieu, peu importe que ce soit bon tant que c'est beau. Jinseok explique tout cela d'un trait et d'un ton vide. On t'a proposé de le faire chez OP? Oui, d'autant que j'ai la peau foncée que beaucoup. J'ai la peau plus foncée que beaucoup. Ce n'est pas considéré comme que séduisant. Mais j'ai dit non. Et tu as le droit. Oh, putain, ton... Ton maillot de bain, frère, c'est un léopard, t'es sérieux? Juna, ce serait une confession. En réalité, tu adores. Et tu es vraiment sa tomate. Non, moi, je me rappellerai toujours de cette phrase.
frère. Non, mais vraiment, un maillot léopard. Et d'ailleurs, ils ont dû l'accepter. Le Mendoza hoche la tête un peu mécaniquement, il a l'air à moitié absent. Woody, quant à lui, reste immobile, une main sur l'emplacement de l'injection comme pétrifié. T'imagines? Cancer de la peau? Détruire les dents? Jonah lui lance un coup d'œil. Je suppose que quand même que tu le savais pour les risques éventuels. Oui. C'est une pratique très courante. La plupart des idoles le font, Woody est loin d'être le seul. J'essaie de voir tout ce que j'arrive pas à voir avec le truc derrière. Et même des gens lambda qui rendent visite à ces cliniques. Sans compter la multitude de crèmes pour la peau qui contiennent de quoi la blanchir un peu. Moi j'en utilise. Ce n'était pas une critique. Jonah le dit de façon neutre, en effet, la Wookiee Woman donne l'impression de vouloir défendre Woody. Les garçons, neuf têtes se tournent vers Madge Urban et celles de ma cousine et moi ne font pas exception. Oui. Madge Urban tient son smartphone à la main et quelques plis ennuyés marquent son front. Les garçons de Surstar, je voulais dire. Excusez-nous. Wookiee Woman attrape le poignet de Saki pour l'entraîner un peu plus loin et laisser de l'intimité à l'autre groupe. Arrêtez. Ce n'est rien de confidentiel, ne vous en faites pas. Mais je viens de recevoir un message de l'agence pour m'informer qu'à cause du grand froid de cette nuit, les canalisations de la résidence n'ont pas tenu, elles ont gelé. Comme dans beaucoup d'autres bâtiments de Séoul, le vétuste et moins vétuste. Je sais pas. Plus d'eau et de sanitaire pendant 24 à 48 heures. Manquait plus que ça. Vous pouvez venir chez nous. La journée, il est seulement midi. Ça dure vraiment 4 heures. J'ai pas envie de vous faire une vidéo de 4 heures. Je me souviens de ce groupe. De ce que le groupe m'a dit à l'aéroport. Il rentre tout juste de Busan. Il s'est donc déjà à l'hôtel la nuit passée dans la ville du sud et non dans leur immeuble. Debout à côté de moi, collé à un palier, même s'il ne dit rien. Inchan lui saisit aussitôt la main. Nous aussi, dans notre vieil immeuble, on a eu le souci. Patrico propose que vous déménagez dans un hôtel pour une nuit ou deux, les garçons. J'espère que c'est un hôtel 5 étoiles. Parce que j'ai entendu le nom d'un monsieur qu'il ne fallait pas prononcer. Le soulagement m'étreint à l'écoute de cette moins mauvaise nouvelle. C'est au moins ça pour mon cousin. Au moins ça pour mon cousin. Quelle chance. Nous, on a dû faire avec. Ou plutôt sans eau. Ce serait un peu un camping en attendant les réparations. Je suis canée. Ça recommence. Le plus compliqué, à mon avis, c'est pour faire caca. J'en peux plus. Qu'est-ce que je suis en train de lire? C'est rien, c'est ce qui. Il faudrait essayer d'y aller dans les WC ici avant de partir. Tiens, comme ça, ce sera fait. Mais mon rythme, c'est plutôt le matin, donc je ne sais pas si ça viendra. Très intéressant. Maintenant, quand vous vous réveillez le matin, eh ben, vous saurez que ce qui est probablement en train de faire caca. Yann rit alors que Kimo secoue la tête, mais son air tendre ne trompe personne. Toute cette passionnante information apprise à ton sujet aujourd'hui, Sunshine. C'est que Madame Jamban poursuit, tout en tapant un message sur son écran. J'arrange ça tout à l'heure, pendant que vous êtes occupé dans la piscine. Merci beaucoup, Madame Jamban. Oh, c'est vrai qu'on n'avait pas vu Imchan. Je veux dire Imchou. Il mérite. Sur des entrefaites, Manager Kim revient dans la pièce. Avant qu'il ne puisse faire part de son déplaisir à revoir le troupeau réuni, l'assistant du léopard entre en coup de vent. Il nous explique que c'est à Surstar et à 23 Zoom d'y aller. Leur tour dans la piscine viendra en effet d'ici une dizaine de minutes. Aussitôt, tout le monde se met en branle. L'espace de quelques secondes, mon cousin ne parvient pas à masquer l'angoisse de son visage. Claire ouvre la bouche, la referme, fronce les sourcils, puis écarte à nouveau ses lèvres. Yuyu, ça va? Le sourire professionnel est de retour, assorti de la voix à un brin coupante qui dit qu'il vaut mieux ne pas insister. Je me tais donc. Non, plutôt. Taïwan lui fait en passant à côté de moi de son sourire sur mes mains. Oh là là.
Ma vision fait instantanément dérailler les pensées relatives à mon cousin. Mon petit ami a accroché une fleur blanche dans ses cheveux, ça lui va tellement bien. Il a l'air tout aussi réel qu'ordinaire. Mais j'avais prévu l'habitude de le voir en vrai. Et les photos et les vidéos compulsées au loin ne rendent décidément pas la justice à sa beauté éthérée. Je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais j'étais loin du compte lorsque je fangirlais dans mon appartement parisien. Théon me sourit, je sais que ce n'est jamais fin chez lui. Ça me ramène un peu de sérénité. En passant à côté des lianes qui passait assis sur une chaise. Qui s'est assis sur une chaise tout à l'heure, Taïwan s'arrête. Je sens que ça va être super dans la piscine. Tu dis ça à la bonne personne. Tu connais les anges de mer? Ce sont des grands poissons plats, un peu comme des raies, qui sont cousins avec les requins. Ils mangent les raies, malgré leur ressemblance physique. Amusée, Liane le sourit. Je ne connais pas trop, non. Les profondeurs marines et moi, nous ne sommes pas très copains. Plein d'affabilité pour aider l'américano-coréen à se relever, Tae Wong lui prend le poignet droit et y imprime une traction. Le visage d'Eliane se crispe sur le champ de douleur, alors qu'il ne peut retenir une plainte. Aïe! Tae Wong lâche aussitôt l'air étonné. Mais il est déjà trop tard, plusieurs personnes encore présentes, nos managers Ban, Juna et Jin Sung se sont retournées. À présent, debout devant sa chaise, Eliane s'étale le poignet en se mordant la lèvre. Est-ce que ça va? J'ai l'impression que Wu Jiae va tomber dans les pommes la seconde au pied de son meilleur ami. Ce dernier arrête de malmener sa lèvre pour un sourire au visuel. Oui, ne t'inquiète pas, ça fait juste mal. Ça a juste fait mal. Ayane tourne ensuite ses yeux bleus vers nous. Ce n'est rien, une blessure du mois passé qui est encore un peu douloureuse. Frère! C'est ton malaise cardiaque? La question claque comme un fouet. Le tact, il est présent. Je pivote pour observer Juna, dont le timbre ne ressemble pas à celui dont il use habituellement. Le visage du main vocaliste de Sir Star est sérieux. Son regard d'ordinaire pressant semble vaciller. Et Yann hausse les épaules avec un sourire un peu contrit. Eh bien oui, c'est mon malaise cardiaque. Mais mon cœur est intact, et même en meilleure forme qu'avant. Mes amis, vous venez, on est déjà... C'est qui venait chercher la... reste de la troupe s'immobilise devant l'ouverture de la porte. Il se passe quoi? L'ambiance est en effet maintenant à mille lieues de ce qu'elle était lorsque nous discutons gaiement de sujets d'un tantinet gênant. Bon, parler de Kiki finalement. On dirait qu'un nuage, c'est bizarre ce que je viens de dire. On dirait qu'un nuage lourd de pluie vient de se poser sur les épaules de tous les présents. Malgré tout, la voix harmonieuse d'Eliane reprend. Je vais vraiment bien. On peut y aller peut-être, c'est au point de débourriffer les moustaches du léopard. Oui, allons-y. Comme il en est coutumier, Tae Wong secoue l'atmosphère d'averse pour quitter le vestiaire. Mais Juna, lui, ne bouge pas d'un iota. Frère! Sa figure est comme dégringolée, tandis qu'il fait face à Elian Ace. Ah bah oui, du coup. Parce que ça lui fait pas plaisir qu'il soit pas bien alors que c'est son rival. J'ai jamais vu comme ça. Juna, il faut y aller. Le main vocaliste fait comme s'il n'avait pas entendu Manus Urban. Ou peut-être qu'il l'a réellement pas entendu. On dirait qu'il ne voit plus qu'Eliane. Pourquoi? Pourquoi? Juna hoche la tête, ses mèches déstructurées dansent devant la moitié de son visage. Eh bien, je suis pas sûre que ce soit le meilleur moment pour se lancer de grandes explications. On va dire que je n'en pouvais plus pour résumer. Deux. Frère! Réfléchis! La question a fusé comme une balle de revolver. Eliane laisse passer une seconde de silence, des yeux interrogatifs sur ceux de Juna. Il vient de la vie d'Idol, pour résumer encore une fois. Le guint, les contraintes, les privations, l'angoisse, la pression, enfin. Mon cœur se serre à cette énumération. Vous connaissez ça chez Sir Star aussi? Ça ne date pas d'hier et une bonne grosse dépression s'est installée depuis mon arrivée à l'académie. Stop la déprime! Elle a fini par conduire à un malaise cardiaque. Le regard de Juna s'arrache une seconde à Eliane pour toucher Jin Sung. Debout un peu plus loin. Très vite cependant, les yeux marrons piqués de regret reviennent se vriller aux yeux bleus. Je suis désolée.
Ryan a l'air sincèrement surpris. Deux. On ne peut pas dire que c'était ta faute. J'ai choisi de signer chez... Si... c'est trop long. C'est chiant. Chez Prout Entertainment. Je pense que ça leur va bien. Et je crois que personne d'autre n'est responsable. Jonah secoue le front. Je sais, je n'ai pas l'arrogance de me croire le centre du monde qui cause tous les maux terrestres. Et toi non plus, tu n'es pas responsable de toute façon. En plus des facteurs de risque, c'est une maladie, non? Ryan hoche la tête sans avoir l'air de comprendre toutefois où l'autre main vocaliste va en arriver. Mais je suis désolée d'en avoir ajouté. D'avoir vu ces années comme une compétition. En vouloir sans cesse faire mieux que toi pour te dépasser. De l'air, je reviens pas de ce que je suis en train de lire. Mec, tu rigoles. Tu rigoles. Il t'a fallu un malaise cardiaque pour te rendre compte de ça. Vaut mieux tard que jamais. À le clamer haut et fort partout dans la presse aussi. J'agis comme un gamin immature, omnibulé par des conneries puériles, qui piquaient mon ego. J'y crois pas. Oui, bon, c'est bien, je suis à bientôt à 3h. Non, ça va, je suis à 2h30. Mais du coup, je vais définitivement séparer les épisodes. Bon, vous le saurez déjà. Mais... Waouh! Comme ça, je serais peut-être tranquille pendant tout le mois de septembre. Cool. Mais what? Je suis choquée. Alors que de ton côté, tu essayais de te maintenir à flot, où tu sombrais. Américano-coréen lève la main. Je t'assure que tu n'y es pour rien. C'est cute. Ne t'inquiète pas, ni pour ça, ni pour moi. S'il rajoute un... Maintenant tu peux m'appeler Juna, je pleure. Ce que tu as dit n'en a pas à rajouter du tout. Ça ne ferait peut-être pas du bien non plus à ton ego, mais je crois que ça m'a toujours été égal. Je ne comprenais pas trop, mais ça ne m'a jamais plombé le moral. Ça m'amusait même parfois pour te dire toute la vérité. T'as raison, frère. Franchement, Eliane, t'as raison. T'as raison, vraiment. Mon ego le mérite. Hélène sourit une nouvelle fois. Mais merci, c'est sympa de me dire ça. Juna ne répond pas. Ah. Tu peux m'appeler Juna, m'aurait achevé. On continue à regarder son rival comme un feu qui brûle. On ne distingue pas le flamme dans ses pupilles, cependant seulement de la fumée. J'ai beaucoup de mal à déchiffrer ce qui tourbillonne. Oh, ta gueule. Je le dis haut et fort, ta gueule. Vraiment. Décidément, vous êtes devenu incapable d'être à l'heure. Il y a encore le maquillage. Tony Ferdun a-t-il été contaminé par ce star? Ouais, ils sont devenus meilleurs potes. Ça sert plus à rien de faire tes conneries, de bâtardeux. Méfiez-vous de voir les statuettes pour être ravis à la prochaine cérémonie, si vous prenez exemple sur eux. Attends, notre plus grand plaisir qu'ils soient en maillot, celui-là. Dengenium, en maillot, est venu lui-même chercher les retardataires. Malgré l'insulte, tout le monde s'excuse de façon respectueuse sans hausser le ton. Crois-moi, Eliane est plus important que le retard. C'est quand même c'est dans un très grand calme que le groupe quitte le vestiaire jusqu'à la piscine. On dirait que tous les présents dirigent ce qui vient de se passer, ou ne savent pas comment le commenter. Les présents ont tous l'air un peu sonnés. Surtout toutefois, Juna qui marche juste devant moi murmurait quelque chose à une Eliane en japonais. Mais c'est vrai que les idoles l'apprennent. Itsumodori Neyaru. Bah oui, mais je sais pas parler japonais non plus. Ouais. En fait, là, on est en train de faire un animé. C'est cool, on fait toutes les langues ici. C'est The Night... Ouais. Totalement. Je suis d'accord avec toi. Mais toujours d'accord avec toi, Jia. Je ne comprends que la réponse jetée par le menu vocaliste de Turzo. Trop difficile à comprendre. Je veux savoir ce qu'il a dit.
Bon, j'essaierai de mettre, je vous mettre une traduction approximative au montage. Comme lors des premières émissions, nous attendons en retrait. À l'abri des caméras, Claire, manager Urban et moi impatientons toutes debout dans les coulisses. Manager Kim s'est installé plus loin seul. Il serre la main de son, sur son téléphone comme s'il essayait désespérément de, briser en, de le briser en morceaux. Violent. Il fait gaffe dehors et je suis contente de porter un manteau. Je plains les idoles qui, eux, se retrouvent torse nu en maillot dans la piscine découverte. Heureusement, l'eau est chauffée et peut-être dégage-t-elle également de la chaleur plus haut que, sur, que la surface. Je le souhaite en tout cas pour eux. Ils sont en tout cas tout sourire pour l'instant sans monter le moindre inconfort. Est-ce la réalité ou est-ce une façade pour les caméras? C'est impossible à dire tant ils sont pros à ce jeu. Même mon cousin paraît avoir l'air au septième ciel de se trouver là. Peut-être parce que l'eau chaude apaise un peu ses crampes. Eliane, qui a peur de l'eau, n'en montre rien non plus. Les tensions et inquiétudes qui alourdissent les épaules tout à l'heure semblent n'avoir jamais existé chez personne. Une fois de plus, je suis frappée par le décalage entre entre ce que voit le public et la réalité. Ce satané léopard paie de sa personne, il faut bien lui reconnaître. Oui. Lui aussi affronte les températures polaires en petite tenue. Même si j'avoue que j'aurais préféré ne pas devoir le voir comme ça. La vue ne me satisfait guère. Moi non plus, ce que je disais tout à l'heure. Non! Bah pas du tout, hein. Le mec il a... C'est pas du tout ça, c'est juste que... On n'a pas envie de voir n'importe qui. Comme ça. N'en venons pas aux critiques sur le physique, mademoiselle Yumi. Pardon! La piscine est chauffée, je ne pense pas qu'il l'aurait fait autrement. C'est une bonne chose pour les garçons. J'observe les lieux pendant que Dungannium fait son speech d'introduction grandiloquent. Je pense qu'elle voulait dire juste j'en ai pas envie de voir n'importe qui en me. Ça veut pas dire que. Parce que voilà. Prout! Il s'agit d'une vaste piscine entourée de gardiens d'un côté. De gradins. Il s'agit d'une vaste piscine entourée de gradins d'un côté et de chaises longues de l'autre. Sans doute parce qu'elle est devenue un studio d'enregistrement, elle a été décorée de palmiers et d'autres végétations persistantes. De toute façon, elle doit avoir été utilisée en toute saison. Elle doit pouvoir être utilisée en toute saison. J'imagine que tout ceci n'était pas présent à l'époque où les athlètes s'entraînaient simplement dedans. On se croirait presque en vacances, mais tout est néanmoins fait pour que l'obtention ne tombe que sur l'eau. Dans la journée brumeuse, le reste paraît voilé, alors que l'eau scintille de toutes ses vaguelettes turquoises. À l'arrière, des fans sont serrés comme des sardines sur les bancs. Elles sont vêtues de doudounes, d'autant qu'elles doivent être assises là depuis l'aube. Combien d'heures ont-elles sacrifié à assister au jeu d'autres groupes ce matin pour pouvoir voir leurs idoles? Comme d'habitude, Comet et Summer crient leur nom de leur chouchou tout en agitant des lightsticks et autres pancartes. Je me demande si Taiwan est dans la masse. Myung, certainement pas, elle doit toujours être dans sa chambre d'hôpital psychiatrique. Claire m'a en effet confirmé lorsque je lui avais fait part de mon cauchemar récurrent en France que ce n'était pas vrai. Elle ne s'est pas échappée aux dernières nouvelles. Elle est toujours soignée. Non, c'est quoi cette réponse? J'espère sincèrement que ça va aller pour elle. Depuis l'eau, les garçons sourient à leur admiratrice, font des cœurs et des gestes de remerciement des doigts. Ils sont mignons, adorables et rayonnants tous. Des étincelles de ma fanitude passée, alors que je pouvais être qu'une surpartisse, moi aussi s'allument en moi. Sur l'espace, ces chaises longues. Se trouve le jury composé de plusieurs membres du paysage télévisuel et sud-coréen. Sans doute des collègues du Léopard qui doivent surtout les considérer comme des sous-fifres. Nous allons démarrer les hostilités par un grand classique, le jeu du papier. Qui de Zone sur Zone ou de Sir Star parviendra à le passer le plus rapidement sans qu'il ne tombe? Mais c'est pas genre par la bouche là?
Avant que Jia ne hurle à la justice, nous allons enlever un membre d'Ancien Star afin que les deux groupes comptent le même nombre. Bon, allez, je suis gentille. Vous avez un peu le droit à ma voix. On aurait pu s'en passer vu la tête qu'elle a. Enfin, ouais. Vu la voix que j'ai actuellement, j'ai extrêmement mal. Du coup, j'ai pas grand-chose à dire à part que la prochaine fois ce sera la dernière partie. Je pensais tenir un peu plus longtemps, genre au moins tout le mois de septembre, mais comme j'ai commencé au mois de juillet, oui, d'août, fallait s'en douter. Je suis pas Vomito. J'ai fait Idol Sprite, enfin j'ai fait Sora et Sylvia, mais en fait j'ai pas débloqué les autres que je voulais, par qui je voulais commencer. Du coup je pense qu'il faut que je fasse celui de manager ban. Je ferai celui de manager ban mais sans le lire. Voilà. Après je sais pas trop quoi faire. Je voulais faire le nouveau Life is Strange parce que telle une grosse pigeonne, je me le suis payé pour mon anniversaire, genre de moi-même. Trop des barres. Mais j'avais pas envie d'attendre en fait. Et surtout que ça m'aurait rajouté encore plus de boulot. Donc, enfin, je vous aime, mais pas à ce point. Du coup, voilà. Alors, peut-être, je dis bien peut-être, il y a plus d'un mois qui est passé depuis le dernier épisode de Fly. Mais à mon avis, la réalisation prend beaucoup plus de temps, étant donné que maintenant, je pense qu'il y a les moments avec les crushs à faire. Et il y en a 8, je vous rappelle, il y en a 8. Du coup, c'est énorme. Donc, c'est. Et sûrement. Il y aura sûrement plus d'épisodes tous les mois. Je sais pas si d'ici 2 semaines ce sera sorti. À voir, on verra. Sinon il y aura Fly et sinon on commencera avec Idol Sprite. Et s'il y a Fly, ben il y aura une pause de 4 semaines dans Idol Sprite parce que vous savez très bien que je dois faire l'épisode en 4 fois vu que j'ai 4 routes à faire. Bon, voilà, je vous embête pas plus avec cette intro longue et outro même longue et chiante. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de Idols. Enfin, la fin du chapitre 24 déjà, c'était si court. Enfin, pas tellement. Bye bye!